Je fais cette vidéo le point serré. Oh là là, tant de hype, tant d'engouement. J'ai envie de les insulter. Ils l'ont pas respecté, ils l'ont pas respecté. Mais c'est pas grave. Je vais vous dire euh, si oui ou non, il faut invoquer sur euh, justement Yami, le nouveau Yami qui vient de sortir sur la version coréenne et japonaise. Alors tout d'abord, faut prendre en compte que j'ai pas le perso LR plus 5, LR plus 0, il n'est pas du tout jouable. L'unité, j'ai l'impression qu'elle est légèrement buggée, On va directement aller voir dessus. Je, je les drop justement avec euh, sa carte. Et j'ai monté justement ses compétence niveau 3. Avec son de sa compétence 1, parce que j'ai n'ai pas assez de ressources. D'ailleurs, sa compétence 1 est très très intéressante. Il faut pas l'oublier. Ça lui permet justement de pouvoir stack euh, son passif. Qui derrière lui permet de faire beaucoup de dégâts sur son ultime. Par contre, par contre, par contre, son ultime est bugué. J'ai l'impression que des fois, euh, euh, l'accumulation de son passif n'est pas prise en compte. J'y dis rien. J'y dis rien. J'ai testé à plusieurs reprises et ça ne marche pas tout le temps. Après, point positif, c'est que son ultime met de la pénétration. Et qui plus est, il peut donner jusqu'à plus de 60 000 de shield euh, à lui-même. C'est une attaque mono-cible, c'est pas mal. Euh, concernant son arbre de talent, voilà, je j'ai juste équipé de cette manière-là. L'unité va principalement se baser sur le nombre de bleed et le nombre de passifs qu'il a accumulés pour son ultime. Parce que plus il met de bleed et plus il va euh, plus il met de bleed et plus il accumule son passif et plus il va mettre de dégâts. Ah, c'est un bon point, mais mais pour qu'il fasse beaucoup de dégâts, ce stuff là il est éclaté. Voilà, je le dis hein, clairement, ce stuff là il est éclaté. Alors pourquoi Je m'explique rapidement l'unité a besoin d'énormément de euh, stats en termes de pénétration, d'ignore euh, def, mais le problème c'est que. C'est pas ouf parce que il faut compléter. S'il ne complète pas en termes de cette pénétration de défense, qu'il n'est pas un minimum de 80-90% euh, de taux de critique et de dégâts critiques, l'unité et asmin de ouf. Et s'il n'a pas de speed, il se fait manger. Même si son attaque basique, sa première compétence, lui donne de la speed supplémentaire. L'unité est médiocre. L'unité est intéressante à partir du LR plus 2 et devient super optimisée à partir du LR plus 5. En dehors de ça, l'unité est totalement asbine. Je vais vous montrer. Hein. Je vais vous montrer. Vous avez bien vu que sur les différents showcases que je vous ai montrés avec Asta, j'ai pas eu besoin de... De juste... Bon, après, c'est vrai qu'il est LR plus 4. Mais... même Je sais que même... En lr plus 2 l'unité serait broken là j'ai un petit doute même sur le lr plus 2 j'ai un petit doute j'ai un petit doute j'ai euh, euh, acheté un petit truc ok et vous allez voir par vous-même déjà on va pas jouer sur des, des trucs comme ça je vais me faire éclater et même sur lui là je vais me faire éclater vous allez voir par moi vous-même Là, on va dire que c'est l'une des teams les plus opties à l'heure actuelle que j'ai pu avoir. Je peux jouer avec gauche, Charlotte, rouge, la première qui est euh, également. Mais on va tester dans cette team-là, dans ces, dans ces conditions-là, pour que je vous montre l'étendue un peu de ce que l'unité peut donner. Je l'ai avec sa carte, comme vous l'avez vu. Il va me outspeed. Déjà là là là, là, je, là je, je je sens mal je sens très très mal je sens extrêmement mal bon c'est pas grave on fait ça on, on augmente la fortification euh, la mission shield la mission shield sur soit euh, la mise sur lui vu que j'ai déjà la fortification et voilà pas beaucoup de dégâts il est là le problème il est là alors auto-attaque. Ok, c'est pas mal. Et son passif d'ailleurs il met davantage de dégâts. Plus de dégâts sur euh, des tanks. Hein. J'ai bien tank. En soi, j'ai bien tank. Je, là, j'essaie d'accumuler de, de, de un maximum de passifs. Hein, sinon. non mon ultime ne sert à rien. Voilà l'auto-attaque, mais du 60k. On n'oublie pas que son auto-attaque est niveau 1, 1. Mais vous avez vu que les conditions sont quand même extrêmes. Elles hein. sont vraiment extrêmes. Faut qu'il survive un maximum de tours pour faire pas mal de dégâts. j'en ai cumulé deux. 112 000. On a quasiment doublé les dégâts. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Vous voyez Dès que j'ai plus de shield des de l'unité l'unité est... commence à être limitée. Ah là là, 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 Le perso est extrêmement squishy. Du coup, très fragile. Il a pas les buffs nécessaires. Il se fait poutrer dans tous les sens du terme. On va, on va le jouer comme ça, maintenant. On va le jouer comme ça. D'accord on va faire ça. On va voir si c'est potable de jouer dans ces cette, dans cette conditions-là. On n'oublie pas que euh, j'ai beau perdre du shield, ça reste intéressant. Ça va c'est ça va intéressant parce que je vais quand même mettre pas mal de, de, de défense supplémentaires grâce à lui. Ouh là, on fait de la fortification. C'est ça. Dommage qu'il soit stun. Je voulais utiliser sa compétence 2. En tout cas, ils ne me font pas beaucoup de dégâts. On va focus lui. Voilà, pas beaucoup de dégâts. C'est elle. Par contre, là. Ont bien pris pour éviter je suis obligé de maintenant je lui stack son truc mais voilà 35 000 c'est ça 0 de dégâts 36 000 je suis un peu déçu 138 000 à l'auto-attaque. Le perso va beaucoup se baser sur l'auto-attaque. C'est là où je trouve ça un peu dommage en fait. Vous voyez le shield que j'ai Ok. 180 000 à l'auto-attaque. Voilà. Il me faut des conditions plus ou moins comme ça pour que ça soit potable. Dans le cas contraire, c'est limite. Hein c'est limite. C'est limite, il me reste encore un test à faire. Une team full bleu. Ça pourrait être intéressant. Mais mes chances de perdre en sachant que sa charlotte est LR plus 2, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et qu'il me met en silence dès le début, je vais prendre tarif. Je vais prendre tarif. Vu que le LR plus 2 de Charlotte met en silence au début de la première vague. Uniquement de la première vague du combat. Vous voyez, là, là, là déjà, on est sur une autre problématique. Après, c'est pas grave. Ça. Ok, bon, tranquille. là il va avoir la contre-attaque mais je vais le buter normalement après ah. là il prend l'agro euh, du coup je vais utiliser ça et okay. là il a la revive et voilà vous voyez que même à contre-type ça reste très moyen. Ça ah, reste très moyen. Ça, ah, c'est très très moyen. C'est dommage. C'est dommage. C'est pour ça que je vous dis que l'unité n'est pas ouf. Euh, je pensais que l'unité serait, bon, euh, serait forte, bonne contre, euh, contre le boss. Même contre le 85 euh, de la tour. Ah, je vais vous montrer que c'est un peu limite. On va jouer full death tarif jouer comme ça et on va rester comme ça j'ai pas le choix et clairement pas le choix après bien sûr là c'est juste le premier avis hein. c'est vraiment le premier avis on verra dans dans le futur ce que je vais en penser mais pour le moment ça reste très très limité, je suis déçu du perso. Là où par exemple pour Noël et Julius, Noël, Julius, Magna et Charlotte, je me suis dit direct que les, les persos allaient être broken. Et justement, euh, ça s'est avéré juste. J'étais content d'avoir Pouls sur eux et tout. Mais là... Et zéro dégâts, c'est nickel. fait de plus en plus de dégâts ça on augmente la résistance critique et la def on augmente la def en gros même avec tout ça vous voyez que il prend vraiment pas mal de dégâts Tadda a crevé, on va mettre ça. On va utiliser la compétence 2 pour augmenter l'ADF. J'aurais fait juste, j'ai cumulé combien? 4. Là je suis au max hein. voilà je vais ulti sur ça mais malheureusement malheureusement ça marche pas comme on, on le souhaite Heureusement qu'il y a mon petit Asa carré euh, voilà c'est pour cette raison que je suis un peu déçu je voulais je vais vous montrer avec euh... Avec 5 euh, cumulations, mais ça n'a pas trop marché. On va retester. Un dernier test. Avec les 4 cumuls. Euh, avec les cumuls. Mais ah, je reste quand même assez euh, sceptique pour le personnage. Vraiment. Après, il me faudrait... Je me dis que si je joue un autre truc, je prends le tarif. En fait je veux jouer un buffer qui augmente les dégâts c'est trop risqué C'est beaucoup trop risqué C'est beaucoup trop risqué euh, parce qu'ils vont pas survivre sur les tâches sur euh, les tâches 6 on va appeler ça la difficulté 6 Faire ça C'est pour ça que je vous conseille vraiment de ne pas invoquer sur l'unité. Pour être ouais. optif, il faut du 2-5, même quand ça va arriver sur la GLO. pour le moment je ne peux pas vous dire s'il si faut invoquer ou non. Parce qu'en fait... L'unité... Je ne sais pas qu'elle est limitée. C'est Que je l'ai pas drop et que j'ai pas invoqué sur elle. Et je peux pas me permettre d'invoquer en sachant que Mary Lona arrive dans quelques jours là. Dans deux, deux jours et demi. Enfin dans deux jours, dans deux semaines et demi autant pour moi. Voilà, là j'ai cumulé quatre trucs. Ah il s'est fait buter. C'est incroyable. Coup, je peux pas vous montrer. Hein. C'est dommage, hein. C'est vraiment dommage. Hein. Je suis trop dégoûté là. C'est... Hein. Et... Voyez les conditions pour que le perso soit OP. Bon, je termine rapidement ça et... Voilà quoi, hein. ça a vraiment dommage. Il hein. crève, pas grave, c'était juste pour vous montrer le, le problème du perso le problème de Yami. que même sous ult il fera pas euh, il fera pas beaucoup de, de délire hein, beaucoup de dégâts quoi mais bon euh, c'est une unité qui n'est pas importante du moins pour le moment on verra par le, par la suite quand ils vont rajouter d'autres unités qui pourront euh, lui euh, peut-être parce que là à l'heure actuelle une unité qui pourrait lui être utile ça serait une unité qui lui, lui permettrait d'avoir euh, qui pourrait le buff Et lui ajouter directement un ou deux Cumules euh, sur son passif Mais pour le moment il n'y a aucun perso qui fait ça Et pour le moment ça le rend Très mi au ou quai On va dire que c'est pas du S C'est pas euh, Bon c'est pas du S+, c'est pas du S C'est pas, pas du A On va dire A-A+, euh, ça dépend Ça dépend C'est En plus pour qu'il fasse énormément de dégâts derrière donc il est également une contre-attaque. S'il n'a pas de contre-attaque, c'est mitière. C'est très très mitière. Du coup, voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Allez, ciao, ciao.